une ferme sous influence, donc je crois que ça commence, en fait, j'en sais strictement rien. Maintenant, ça commence exactement, si on commence sur leur villa américaine ou Peter Falk dans le chantier, je crois que c'est dans le chantier, où en fait on voit travailler avec ses collègues, une sorte de métier assez physique, mais qui est vraiment un boulot assez ingrat. Et donc on les voit bosser comme ça, une sorte de mine américaine, de nulle part, en désert, avec des gros camions. Voilà. En fait, non. Attends. Je crois que le début, c'est en fait, au tout début, voilà, au tout début, ils bossent sur une route. Plutôt une route en fait de nuit. Voilà, je crois que c'est ça, c'est qu'ils bossent sur une route de nuit. Parce qu'en fait, ils doivent faire partie d'un genre de service municipal ou je sais pas. Cantonnier, en gros. Ouais, voilà. Ou bon, ben, ils bossent sur une canalisation qui fuit toute de nuit. Comme ça, on entend Peter Falk hurler. C'est toujours très de violent en fait, quoi. C'est un homme violent? Ouais, très violent. Puis parce qu'il a un boulot où il faut être violent, où il faut avoir beaucoup de force, et il faut être radical. Voilà. Et donc on va bosser et on voit voilà, qu'il y a eu un problème sur la route et il devait rentrer, en fait il rentre pas. Il est bloqué sur ce truc parce qu'ils sont obligés de réparer cette canalisation. Et il ne pourra pas rejoindre sa femme pour le passer une journée avec elle parce qu'il ne se voit pas beaucoup, elle est souvent avec les enfants. Il se voit très peu, pas un couple, pas une relation de couple facile. Et donc du coup peut-être qu'en fait ça commence sur elle et les enfants, peu importe. Donc alors elle on la voit dans la villa américaine, donc une villa vraiment c'est à 13 années 70 quoi, je pense très conforme, très American Dream quoi. Une maison riche pour ça va en fait justement moi c'est ça que je me disais c'est que on voit ce mec plutôt là, un ouvrier et finalement on voit que matériellement c'est vraiment suffisant enfin c'est ça va quoi et donc on la voit comme ça avec soit avec les gosses ou ah non alors putain je suis en train de retourner le début du film voilà, putain. C'est Memento. Ou en fait, elle, je crois que ça commence, elle envoie les enfants chez la belle-mère. Ouais. Parce qu'ils ont prévu de passer une journée ensemble. Du coup, une journée congé, ils ont prévu de passer une journée ensemble. Donc elle la voit avec les gosses, donc elle, alors elle est assez géniale parce qu'elle est en même temps très marrante et assez dépressive aussi. Et dans la détresse. Elle rigole et puis d'un coup. Elle fait des signes étranges. Techniquement, elle est maniaco-dépressive. Voilà, ouais. Assez, ouais. Vraiment. Et donc, elle envoie, ils ont prévu de passer une journée ensemble, parce qu'il est son boulot, elle. Apparemment, elle reste avec les enfants. Ils ont prévu de passer une journée ensemble. Elle envoie les gosses chez la belle-mère, ou je crois pas que ce soit sa mère, c'est la mère de. C'est la mère du mari. Et donc voilà, donc elle l'attend, et c'est là où il l'appelle et lui dit, ben il y a eu ce problème avec la canalisation, et je pourrais pas venir. Donc elle, finalement, elle le prend très mal, mais en même temps, c'est ça qui est étrange, c'est qu'elle est très expressive, très extravertie, et en même temps, on la voit au téléphone, et puis. Et finalement, on sait pas trop comment elle prend ça. Parce qu'il y a des moments où elle lâche tout, quoi. Elle est à la fleur de peau, et puis il y a des moments où il y a eu énormément de retenue, comme si en fait il y avait une sorte de. Elle redevient consciente et. Elle entend ça, elle reste très calme, alors qu'on la voit par exemple avant plutôt sur les nerfs. Et elle décide par rapport à ça, donc le fait qu'elle est à la maison vide où elle attendait son mari, plutôt pour une nuit érotique, tout ça s'évapore complètement et elle part en ville boire. Dans un bar toute seule. Alors, je crois que certains hommes la reconnaissent. C'est pas une grosse,
Ils sont près d'une grosse ville, mais vraiment un coin où elle est assez connue, et puis elle est toute seule. Elle rencontre un homme, dans sa sorte de dépression, elle rencontre un homme avec qui elle va coucher. Donc lui, c'est une très belle femme, donc il l'a séduit. Et elle le ramène chez lui, elle est ivre morte, elle le ramène chez lui pour passer la nuit. Et elle se réveille le lendemain matin où le mari revient. Il revient du boulot avec les copains. C'est comme une bande d'adolescents, quoi. Les bons copains entre garçons. On a taillé le rocher toute la nuit, quoi. Collègues de travail, quoi. Voilà, quoi. Et puis là, ils ont faim, quoi. J'ai travaillé 40 heures, je veux manger. Donc, ils ramènent tous les copains. Alors, elle se lève comme ça. Alors, ils ont une maison assez... C'est assez marrant, la maison, parce qu'il y a... on passe beaucoup de temps dans cette maison. Alors, les couleurs sont très importantes. Je me rappelle vraiment d'une moquette verte, des meubles couleur bois, et j'ai une espèce d'ambiance, quelque chose d'assez agréable, en fait, dans l'intérieur. Peut-être pas ce qu'on regarde maintenant, mais quelque chose de gentil, très sucré, quoi. C'est le vert, les murs jaunes, un peu des draps orange, un truc... On sent bien dedans, alors que eux, ils sont complètement tarés. Et donc, ce qui est intéressant dans cette maison, c'est qu'il y a l'entrée, le tour de hall, et il y a leur chambre. Ouais. En fait, je sais plus, à côté de la cuisine, mais il y a vraiment un truc avec des portes, différentes portes, où en fait, on peut passer par un côté, revenir par un autre, vraiment entre la cuisine et la chambre, il y a quelque chose de très proche. Et donc elle envoie, donc le mec avec qui elle a couché, les autres arrivent, elle l'envoie, je sais plus, justement de quel côté de la chambre. Enfin, d'ailleurs, c'est ça dont je me rappelle, c'est qu'on le voit, on voit finalement partir, se cacher, et finalement après on va l'oublier. Et il est plus important, en fait. Il disparaît du film. Ouais, il disparaît du film, parce qu'il y a des autres qui arrivent, et en fait, naturellement, nous on s'attend en fait à la confrontation, quoi. Un beau film. Ouais. Et en fait, finalement, il disparaît. Parce qu'en fait, on commence à comprendre sur plusieurs scènes un peu cet espace assez étrange et complexe entre la chambre, la cuisine, le hall, où en fait tout communique, mais ils arrivent toujours d'une manière dedans. Donc on s'attend vraiment, la manière dont c'est fini, on s'attend vraiment au clash, c'est qui ce mec, qu'est-ce qui est passé. Et en fait, je crois qu'absolument rien. Il n'y a absolument rien, en fait. On le voit disparaître comme une sorte de comme si finalement les mêmes projections, quoi. Donc, il s'évapore lui aussi complètement, et donc il y a les hommes qui arrivent pour manger des pâtes, des spaghettis bolognaise, une connerie de ce genre. Non, le truc, bon, les bolognaise. C'est très bon, mais là c'est... Ils en font 300-400 kilos, par boudrier, enfin. Ouais, voilà. Et alors elle est adorable, on la voit complètement tout le temps. Charnée, puis là elle est adorable avec eux. Elle sourit, elle leur serre tous la main, elle fait bonjour, je m'appelle, donne son nom, vous êtes qui? Alors qu'elle les connaît très bien. Alors, on ne sait pas si elle est en train de se foutre d'eux. Je crois qu'elle est complètement déconnectée, elle est très gentille. Et les pattes, c'est bon, et elle raconte tout comme ça. Elle leur parle tous, des mecs qu'elle connaît depuis 20 ans, les collègues qu'elle connaît depuis 20 ans et qu'elle fait à manger régulièrement, comme on vous les appelle. Donc il y a une grande table dressée dans la cuisine avec tous les hommes qui mangent. Alors ils sont très sympas, simples, ils discutent entre eux, sans fatiguer, ils ont envie de manger tranquillement. Et puis elle se met à parler de trucs, à raconter, alors votre vie c'est comment. Elle rentre dans un truc comme ça et en fait elle préside la table. De l'autre côté il y a Peter Falk. Et qu'à un moment, je crois que c'est à force d'insister comme ça, d'être gentil, hurle dessus, il faut l'arrêter, c'est insupportable. Ce qu'elle fait, faire comme si elle ne les connaissait pas. Enfin, justement, elle est complètement irrationnelle, et puis on ne sait pas si elle joue. Enfin, on sent le mari, lui, qui est en fait très terre à terre, et en même temps assez juste finalement. Qui essaie de comprendre ce qu'elle fait, et puis
En fait, elle s'abandonne en permanence, et donc il hurle, et du coup il y a une vraiment sale ambiance à table. Les hommes partent. Ils s'en vont, et alors, est-ce que c'est là où elle pète vraiment un plomb? Parce que ouais, voilà, donc il se passe ça. Et puis là, donc il... Peter Falk, enfin, le mari, lui, a pas dormi depuis deux ou trois jours. Enfin, on sent vraiment une grosse fatigue, tout le monde va dans son boulot. Il y a un temps. Et il va pour se coucher, puis voilà, où ils sont finalement, elle retrouve le calme, revient tranquille avec lui, elle est plutôt contente. Et puis là, il y a la... Je sais plus si c'est la belle-mère qui appelle, mais pour amener les enfants, tous les enfants. Il est 4h de l'après-midi, les enfants vont se revenir. Je sais plus si finalement les amener à l'école, enfin bon, les enfants qui arrivent là-dedans. Puis la belle-mère finalement est très gentille, mais elle va, je crois, faire son lot de remarques assez stupides et finalement désagréables hein, sur le comportement de la mère. Enfin, donc elle fait rien. Donc, enfin, je sais plus, voilà, parce que c'est la grand-mère enfin, classique et enfin, cette femme finalement qui est complètement ailleurs, donc elle va faire des remarques, puis je crois que c'est à ce moment-là, je sais pas si je fais un énorme saut, où il va vraiment y avoir un pétage de plomb complet, quoi. Où il y a la mère, et en même temps, Peter Falk, lui, il voit jamais les enfants, il est complètement crevé, très agressif, avec tout ce qui se passe, et il va... Il y a une scène avec les gosses qui courent dans tous les sens. Elle qui est à moitié tarée, ils s'insultent. Peter Falk qui dit qu'il va la tuer devant les gosses, devant la mère. Et toujours dans cette espèce de petit truc cosu. C'est assez impressionnant finalement. C'est... Il hurle, mais il hurle sur la mère. Qui a dit, la mère qui essaie un petit peu de calmer le jeu et il dit lui aussi qu'il va la tuer. Non, c'est... qui va tuer tout le monde, qui va tuer les gosses, qui va... Et il dit ça, et puis après il redevient gentil, même s'il n'y a plus de... Il n'y a plus de sens à tout ça. C'est puissant, mais il n'y a aucune, finalement aucune connotation de ses propos. Mais elle, en fait, elle est dans ce truc comme ça, tout le temps, on les voit, même quand elle est à table, elle parle, et puis d'un coup, elle lui fait des signes, comme ça, alors qu'elle est en train de discuter avec les collègues, elle lui fait des signes, genre, j'ai envie de te tuer, enfin... Ouais, on est complètement rien. Et donc avec les enfants ça se passe très mal. Et je crois que c'est là ils ont l'idée de la ramener, qu'elle refasse un petit séjour en hôpital psychiatrique. Parce qu'elle va très mal. Elle est très dépressive, très agitée. Et puis lui, Peter Falk, il n'en peut plus de cette situation-là. Par son boulot, assez aliénant, la voir comme ça. La mère qui vient... pour faire la morale, enfin, et elle part en asile, enfin, sur une période de 6 mois, je crois, où c'est lui qui va s'occuper des enfants. Donc justement, c'est qu'après, ça fait pas mal, c'est qu'elle part en asile. Moi, je me demande si le film finissait là ou pas, soit un film assez court. Ouais, pourquoi pas. Hein. Et elle s'en va. Et donc là, on va voir comme ça le père de famille, finalement, seul avec les enfants. Alors finalement, ils ont du gel, il n'a pas le temps, il s'en fout, il n'y a pas de problème que ça pour lui. Et on va le voir comme ça, donc en train de mêler finalement son travail, donc je crois qu'il bosse un peu moins. Alors ses amis qui eux sont très sympas s'occupent aussi des enfants, l'aident un petit peu, et surtout il se sent du rôle du père. Quoi. C'est important qu'il communique avec ses enfants, qu'il les comprenne. Sauf qu'il essayait autant de les comprendre qu'une fuite d'une canalisation. Quoi. Et quand il y a un problème, il faut colmater. Quoi. Et donc, bon, c'est assez marrant, mais voilà, c'est toujours ça dans ce film aussi. Comme elle, elle est marrante, mais elle est très inquiétante, mais on rigole en fait. On rigole quand même. On trouve une dimension comique au film où elle est vraiment drôle. Bah, plutôt une dimension comique. Non! Mais c'est assez... mais justement, c'est vraiment compliqué, quoi. Comme souvent, au début, les filles, c'est pour ça. Ouais, enfin,
Même lui, quand il hurle, qui dit qu'il va la tuer, on a envie de se marrer. Et puis en fait, on a envie de la tuer. Et puis là, Et puis là, c'est pareil, on voit avec les gosses, alors ils font une journée à la plage. Donc il y a un ami à lui qui vient, qui a aussi des enfants. Donc il y a beaucoup, c'est plus des immigrés, c'est des amis qui travaillent. Donc, enfin voilà, sont dans la même tension. Il y a beaucoup de physique comme ça. Et donc l'ami lui est très gentil, par contre, il part à la plage. Donc, alors, il est mis dans un camion. C'est même pas une fourgonnette, c'est un truc, limite une clôture derrière. Et les gosses, mais ils sont assez contents, les gosses, finalement, c'est marrant, parce qu'ils sont très mignons. Agités, mais mignons. Et alors, il y a l'ami qui est lui très sympa, qui raconte sa vie et tout. Qui dit, moi aussi, j'ai des gosses, tu sais. Parce que tous ses amis connaissent cette femme, connaissent leurs problèmes. Ils osent pas lui dire, parce que lui, il est violent. Il le prend très mal quand il lui raconte tout ça. Et en même temps, on voit un petit peu cet ami qui est un peu en train de... essayer de comprendre, peut-être un peu guérir, quoi, ces manques et ces trucs qu'il y a dans leur famille, dans leur relation, quoi. Et il lui parle, et puis là, puis il dit « Putain, t'es folle, ta gueule, j'ai rien à foutre. » Il est avec les gosses, il les prend par la main, il dit « Allez, on fait un château de sable, et non, allez, on va se baigner, enfin, tout est... » Il essaie en fait de retrouver ce qu'il faut faire d'habitude, quoi. Et en fait, il faut faire ça. Et donc, ça se pète complètement la gueule. Il leur fait boire de la bière après. Un peu comme est-ce qu'il y aurait des trucs à apprendre à ses enfants à transmettre. Et finalement, ils sont dans le camion, ils sont là, tiens, les enfants, ils ont envie de tout faire. Ils sont très mignons. Ils ont donc envie de boire de la bière pour savoir ce que c'est. Et puis, ils sont complètement ivres. Ils sont trois gosses, quoi. Le plus grand, il doit avoir 8 ou 10 ans, et puis la petite, elle a 3 ans. On les voit comme ça, complètement torchés, rentrer chez eux. C'est un peu ça qui transmet finalement, quoi. Finalement, vouloir transmettre des choses un peu idéales, il transmet en fait tout ce qui va pas, quoi. Plutôt son mal-être. Et on les voit rentrer comme ça, se coucher, où il y a un enfant qui veut, je crois, dormir avec lui. Et puis, finalement, je crois qu'il se met avec... il se retrouve finalement là-dessus, quoi. C'est ça qui est assez dur, c'est qu'il se retrouve comme ça sur des manques, des choses très négatives. Et donc, le temps passe. Mais bon, ça va pas trop pour Peter Falk, il est très mal. Et alors, je ne me rappelle plus, voilà, je crois que c'est. On le voit après, donc avec ses collègues, donc, qui sont très proches de lui, en fait. C'est ça, sa vraie famille. C'est les, c'est les collègues. Et c'est les hommes, quoi. Ils sont entre eux, quoi. C'est vraiment très cool, quoi, comme univers, quoi. Enfin, dans ce qu'il nous montre, quoi. Et eux sont très sympas avec lui. Et on les voit au boulot, parce que c'est le chef, en fait. C'est ça aussi, quoi. Puis c'est le chef de ce petit groupe d'ouvriers. On le comprend qu'à ce moment-là du film ? Non. Ouais, bon, c'est qu'on te met dès le début. On le voit, je crois pas que ce soit dit. Ouais, voilà. Ouais, peut-être, voilà, c'est vrai. J'avais oublié. C'est que puis, ouais, c'est ce petit environnement matériel qu'ils peuvent avoir. Et même dans les relations, c'est qu'ils sont très sympas. Eux, ils sont très sympas avec lui. Lui, il est très dur. Et puis en permanence, ils comprennent qu'ils sont hiérarchiquement. Ça compte. Et ça, c'est, ouais, ça, c'est super important. Et que finalement, il va gérer sa famille de cette manière. D'accord. Les gosses, c'est pareil. Et donc voilà, alors on le voit au boulot, donc tout ça, on sent que tout se mélange, quoi. Tout se mélange pour lui. Et on le voit, je sais plus, ils sont avec un camion. Voilà, c'est là où ils sont dans la mine, quoi. Ils sont avec une espèce de camion. Puis là, il y a, je crois. Je sais plus ce qu'ils font, il y a un mec qui se casse la gueule, quoi, mais vraiment d'une montagne, quoi, une montagne de trucs, 50 mètres, quoi, il déballe, je sais plus s'il se tue, je crois pas. Enfin, vraiment dans cet excès, dans cette tension, on voit ça, quoi, matériellement, il y a l'incident, finalement, qui est plus gratuit ou qui est plus suggéré ou interprété, quoi, qui est là, et donc on le voit courir après ça. Alors là, je ne me rappelle plus du tout si le mec meurt, je crois pas, plutôt très sonné. Donc voilà, c'est une espèce d'incident qui marque un peu comme tu vois, de limite, quoi, c'est l'excès. Et après,
crois qu'on... Je sais plus trop dans quel ordre, mais on le revoit en costard avec ses amis dans la mine, aussi les familles des amis, où les... Et là, on le voit en costard, donc très bien habillé, très fier, avec son pick-up, courir, donc je crois qu'il dévale... Ah, mais attends, je sais plus, il dévale un truc en courant, enfin... Je sais plus trop comment ça arrive, et c'est en fait, on comprend que c'est l'arrivée de la mer de son séjour qui revient. Et pour lui, c'est il est content, il le montre en fait, parce que tout le monde sait qu'elle est l'asile. Souvent, c'est des choses qu'on veut masquer, ou on veut dire autre chose, on ne fera pas un retour comme ça. Mais pour lui, vu qu'il n'arrive pas à cerner les différences entre son travail, sa relation professionnelle, sa relation familiale, il invite tous les amis. Ils sont devant leur entrepôt, je ne sais plus trop, très fiers. Dit voilà, aujourd'hui c'est la grande fête, vous venez tous, vu que tout le monde soit là pour le retour de sa femme. Elle est réparée. Voilà, c'est complètement ça. Donc, elle est réparée, je vais vous montrer ma nouvelle femme, quoi. Je vais vous montrer ma nouvelle voiture. Donc, c'est assez violent, quoi. Il invite tout le monde. Et justement, c'est ça qui est super impressionnant, quoi. C'est que. Les gens, c'est là où c'est fin, c'est que les gens sont tellement prétentieux, on ferait jamais ça. Trop. Trop de prétention. On se sent trop supérieur pour inviter les gens à l'accueil de la femme qui sort de l'asile. Quoi. Parce qu'on préfère dire qu'elle est partie en voyage, quoi, ou qu'ils sont un peu disputés, mais pas à l'asile. Et lui, il est fier de ça. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Il est fier de ce retour. Quoi. Il invite tous les amis, tout le monde, c'est tout. Et donc, il se retrouve donc, toujours, c'est cette belle baraque. Et il y a tous les amis qui sont dedans, en train d'attendre. Alors, il y a la famille qui est là. Alors, eux, la famille, justement, sa mère et les parents de Gina Roland sont là. Et eux, par contre, ne comprennent absolument pas qu'il y a les amis. Alors que ça doit être en famille, qu'ils sortent quand même d'un asile, que elle est très faible. Elle est susceptible à tout moment de rechuter, quoi. Et donc, il y a une sorte de... Il redevient conscient, quoi. Il dit, mais c'est vrai, quoi. Et puis, au moment où elle arrive, parce que je crois qu'elle revient en taxi, et tous les amis qui partent. Et ça, c'est assez dur, parce qu'en fait, elle arrive, elle est très belle, elle est très bien habillée, voilà. Comme un paquet cadeau. On la voit... Très bien, on l'a vu hystérique, elle est très belle, très douce. Comme ça, la belle enveloppe, et on voit tous les amis partir. Alors, eux, ils sont très gentils. Voilà, c'est toujours. Parce que c'est un peu le monde du travail. Et ils la voient par la fenêtre, ils font ah, salut, on veut te dire que ça va bien, tout est un peu. Et ils partent en même temps, on ne comprend strictement rien là-dedans. Et elle rencontre où il n'y a plus que la famille et les enfants. Et donc ils se mettent à manger. Bah c'est assez parce qu'ils sont très maladroits en fait. Avec elle, on les voit toujours dans cette espèce de cuisine. Elle est là finalement, elle voit les enfants. C'est la première chose qu'elle dit, c'est qu'elle veut voir les enfants. C'est vrai qu'elle est très touchante. Et il y a la famille. Et Henri Peter Fogg qui est. C'est un bourrin. Il lui dit on est là, on est en famille, ça va bien, et hein, tout est bien, ça va quoi. Et on la voit manger, puis elle dit d'un coup, là j'ai envie d'être seule quoi. Elle n'a pas envie de voir la famille, elle n'a pas envie de voir ses parents, pas envie de mari, elle n'est pas en représentation quoi. Et donc je crois qu'ils partent assez vite, et puis là ça explose encore quoi. Fort que jamais, je crois. Ils ont un peu une scène très violente. Finalement, la scène avec les enfants, elle est pas là, quoi. Mais en tout cas, ça explose parce que. Ça explose plus à cause d'elle, à cause de Peter Fogg, je crois. Parce qu'il la reconnaît pas. Elle est plus du tout exubérante comme elle l'était, quoi. Et là, elle est très calme, en vrai. Complètement shooté par les médocs, et on la voit plus,
en train de faire ces espèces de signes, espèces de mimiques incroyables. Mmh. C'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Donc il y a la famille qui part, il y a toute la mise en scène qui s'écroule. Et voilà, lui en fait, il met cette mise en scène en place, quoi, qui est la sienne, parce qu'il pense que par lui et pour lui finalement, il met tout ce truc en place. Et en fait, c'est pas ça, quoi. Et elle aussi, elle est pomponnée, mais c'est pas ça. Et lui montre ça, ce truc qui est complètement fou, les effets qui viennent. Comme si on allait à un grand prix de Formule 1, quoi. Et finalement, il veut pas ça. Il veut la retrouver comme elle était. Il veut retrouver la folie qui est en elle, quoi. Et elle est plus trop comme ça. Enfin, c'est le plan, c'est la dernière scène. Ouais, je crois que c'est vraiment vers la fin, c'est comme ça. Donc il y a tout le monde qui part. Elle est là, et finalement, elle est beaucoup plus calme et retenue que. On peut la voir dans le film, au moment du film on ne la voit pas. Et il lui dit, il lui hurle dessus, il est à la battre, à lui dire et sois comme avant, pourquoi est-ce que tu racontes plus n'importe quoi, pourquoi est-ce que tu es plus folle. Il veut la retrouver comme elle était. Quoi. Donc c'est paradoxal finalement par rapport à pas ce qu'il en ça. Non ? Pas comme ça. Pas pour lui, mais par rapport à ce qu'il met en place, oui, quoi. Oui, effectivement, pas pour lui, c'est sûr, mais par rapport à ce qu'il nous montre de tout va bien, en fait, non, il veut pas, quoi. Il veut pas que les choses changent. Il veut revenir à cette chose qu'il connaît, dans laquelle, en fait, il évolue, dans laquelle il se sent bien, quoi. Et donc, il demande de redevenir taré, et c'est là où je ne me rappelle plus. Je crois qu'elle redevient. Comme elle était. Ce serait la dernière image du film pour toi. Ouais, je crois. Un signe par lequel elle manifeste son retour. Je crois. Et bon, ouais, voilà, il y a les enfants qui courent autour. C'est là que tu dis, je vais tous vous tuer. C'est lui qui pète un plomb, en fait. Ça. Alors elle se remet à hurler aussi, à péter un plomb, et ils se retrouvent un peu là-dedans, quoi. Okay. C'est plutôt là-dedans que les choses. Les normes sont plutôt là-dedans, quoi. Les possibilités de leur famille, la possibilité d'être, continuer plutôt là-dedans. Ils reviennent à ça, mais après, c'est ce moment où ils reviennent à ça, quoi. C'est qu'il y a eu une coupure, quoi. Donc ils ont fait l'effort, finalement, de retrouver quelque chose. Et c'est plutôt là où, c'est... Les choses se calment, quoi. Là-dedans. D'accord. Ouais. T'es bon? Je crois qu'Isabelle, tu me casserais la gueule. Ben merci.